vais vous conter aujourd'hui la légende de Sainte Aphrodise, saint patronne de la ville de Béziers. Il existe plusieurs versions de cette légende. Aussi, j'ai tenté d'en faire une synthèse cohérente, et en voici le récit. Vers l'an 250, Aphrodise aurait été grand prêtre du temple de Mercure, de la ville d'Héliopolis, en Égypte. Un jour, alors qu'il rentrait dans le temple pour s'y reposer, les idoles se renversèrent d'elles-mêmes. Frappé par le miracle, l'homme renonça au culte des faux dieux et embrassa le christianisme. Poussé par son zèle et fuyant la persécution des Romains contre les chrétiens, il s'élança à la conversion des Gaules en compagnie d'un dénommé Paul, qui devint par la suite évêque de Narbonne, mais aussi avec son fidèle Chameau. Mais les persécutions contre les chrétiens s'étendaient alors dans toutes les parties de l'Empire romain et la religion, semblable à l'hydre de la fable, dont les têtes coupées renaissaient plus nombreuses, voyait ses sectateurs multipliés sous la hache du bourreau. Aphrodise fit escale à Béziers, avec son chameau, puis fut consacré évêque de Béziers par saint Paul, son ancien compagnon de voyage. Il répandit la foi chrétienne dans toute la région et il eut une influence profonde sur la population. Cependant, les persécutions des Romains se poursuivaient. Aussi, Aphrodise fut obligé de se cacher, mais il ne put se résoudre à fuir. Cet homme évangélique ne voulait pas abandonner son troupeau, quelque péril que courut le pasteur. Il trouva refuge dans une grotte, tout près du temple de Diane d'Éphèse. Là s'étendait une sombre forêt. Nul profane n'osait y porter ses pas. De tous côtés croissaient des broussailles, des ifs et des chênes y entrecroisaient leurs branches noirâtres, et les cris sauvages des oiseaux de proie interrompaient seuls le silence menaçant de cette solitude mystérieuse. Jadis, Teutates avait eu ses hommages et ses sacrifices sanglants. Le soir, on y voyait quelques ombres se glisser lentement et se perdre dans l'épaisseur du bois. Tous s'avançaient dans la même direction, et bientôt la terre s'entr'ouvrait pour les recevoir et les cacher. C'étaient les fidèles qui venaient écouter leur saint évêque. Tous les jours, quelqu'un manquait au rendez-vous, et les autres lui adressaient des prières, car les portes du ciel s'étaient ouvertes devant lui. Là, dans cette obscure caverne, le saint prêchait à ces hommes persécutés, abreuvés d'opprobre, d'oublier les injures et d'y rendre le bien pour le mal. Sur un autel où le sang avait naguère ruisselé, il célébrait les mystères d'un lieu de paix et remplissait de l'espoir du ciel ces hommes pour qui la terre n'avait pas assez de supplices et d'ignominie. La retraite fut découverte par les gardes romains et l'évêque condamné à avoir la tête tranchée. Sur les lieux de l'actuelle place Saint-Cyr, près du cirque destiné au combat des bêtes féroces et des gladiateurs, était une place, et au milieu de cette place, un puits, près duquel on dressa l'échafaud. Le bourreau frappa, et son glaive ouvrit en même temps aux martyrs les demeures célestes. La tête respectable était tombée aux pieds de l'exécuteur, et l'infâme, d'un pied dédaigneux, la lança dans le puits. Mais miracle ! Tout à coup, un bruit sourd sortit de ses profondeurs. Les ondes s'élevèrent en tourbillonnant les entrailles de la terre. Elles grondaient, bouillonnaient, s'élançaient, et la tête du saint fut rejetée. Puis les eaux lentement redescendirent, et tout redevint calme. Alors, le cadavre décapité du martyr se souleva, prit sa tête entre ses mains et l'appuya sur sa poitrine. La foule en fut ébahie. Les cohortes romaines ouvrirent un large passage et l'évêque traversa d'un pas majestueux et ferme la cité étonnée en se dirigeant vers l'extrémité septentrionale de la ville. Sur son parcours, les gens répandaient des escargots et le saint les effleurait sans n'en écraser aucun. La foule s'était tue dans un silence religieux et mystique. Mais au carrefour, dit aujourd'hui du Saint-Esprit, des tailleurs de pierre raillèrent le saint en le voyant passer et le traitèrent de fou. Mais Dieu les punit de leur irrévérence en les pétrifiant sur place et en maintenant leur cou tordu dans l'attitude où ils se trouvaient. Arrivé au bout de la ville, il s'ensevelit dans la grotte où il avait coutume de se rendre et qui n'est autre que la crypte de l'église actuelle. Le corps du saint fut déposé dans un sarcophage ancien de marbre gris. C'est celui que l'on peut voir actuellement dans l'église de Sainte-Aphrodise. Ce tombeau, transformé ensuite en baptistère, possédait d'après la tradition locale certaines vertus. On venait partout y faire baptiser les enfants afin de les préserver du haut mal, ce qu'on nomme à présent l'épilepsie, et ceux qui ont été atteints buvaient l'eau contenue dans le sarcophage pour s'en guérir. Après sa mort, le fidèle chameau du saint fut remis par le comte Bernard à des pauvres gens, une famille de potiers de l'actuelle rue Malbec, et leur attribua quelques terres pour pouvoir à son entretien. Puis, lorsque le chameau mourut, le domaine fut affecté à la charité publique. C'est de là que vient l'origine des fêtes de Caritate, les fêtes de charité, et de la procession du chameau dans les rues de Béziers
qui se déroule en avril pour la fête de ce saint patron, j'ai nommé Saint Aphrodise. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle histoire.